n'a pas reprendre lecture traditionnelle qu'on fait, n'est-ce pas, des activités des activités de la semaine. Parce qu'au cours de la semaine, il y a un bon événement privé, et depuis un certain temps, n'est-ce pas, et proche d'invité moi, que je réponds avec grand plaisir pour nous faire une lecture de événements qui arrivent pendant la semaine, hein, afin que la communauté a gagné une vision de ce qui passé, pour qui ça est passé, pour qui ça le passé, et qui ça nous a pensé que pour arriver. C'est pour ça que, une fois de plus, me répondre présent comme d'habitude. C'est ça. Bon, et docteur Jérémy, je vais vous répondre sur notre studio là, autant de traiter d'informations qui sont question de la variole singe qui a frappé un peu le pays en Afrique et déjà qui déjà touché l'Amérique et même un pays en Europe qui c'est la Suède et a déjà détecté des cas et de variole là qui déjà touché, je dis déjà continent Sahara, mais surtout en Colombie, c'est là déjà il déjà recensé plusieurs cas. Pour Suède, c'est déjà un cas, mais il y a un secrétaire général de l'OMS qui c'était Tedros Adhanom Ghebreyesus qui déjà décrété maladie ça yon urgence internationale. Donc nous pas connaissons si son maladie que ou plus ou moins et gain en plus de connaissance de lui parce que nous connaissons assez souvent et l'Afrique lui-même que on considère comme étant le berceau de l'humanité, mais en plus de maladie tout rentre dans le monde là, c'est toujours en Afrique où recensé yo. Et si nous avons cité des maladies tant que Ebola, tant que choléra, mais je veux dire, nous en face yon variole singe, sida également, et mais je veux dire, nous en face yon variole singe, et nous avons gardé yon échantillon, yon voyé, nous la montré comment maladie a manifesté dans tout symptôme yon, eh bien, li bay bouton, et bah là, vraiment effrayant. Et dis-nous, non, pour qui ça c'est toujours l'Afrique, et déjà, il était déjà annoncé l'année 2024 comme une année qui va avoir une grosse épidémie, mais nous déjà au mois d'août, mais nous c'est Kounia et ça a annoncé et déjà il paraît très effrayant. Bon, mais pas gagné une réponse à la question. Hein? Et pour qui ça, c'est en Afrique que une grosse épidémie ça a toujours démarré. Mais qu'a peut-être dit que c'est le continent le plus ancien, c'est le continent. C'est là l'homme sorti lui-même. Donc c'est le continent qui, jusqu'à présent, gagne et base toute structure humaine. Et malheureusement, il n'y a pas que les choses positives, qui m'a gagné négatif, côté que, effectivement, le conseil de virus qui a développé et qui sorti en Afrique. Je ne crois pas que gagne en quel vieux laboratoire qui a préparé le type de virus ça, contrairement à certains laboratoires qui préparent une série de virus et qui éclaté, qui prend la rue. Et puis, le problème de la variole là, c'est forme de communication. Qui gens y transmettent. Et ça, et c'est ça que nous avons demandé pour la santé publique, faire un message passer le plus vite que possible pour communiquer population qui formule de transmission virus ça et qui précaution à prendre. Moi pour qu'a prononcer m'souli parce que les spécialistes pour qu'on dit grand chose sur ça. Donc d'abord il faut laisser la place aux spécialistes. Oui mais sous forme de contamination, il y a parlé de contact cutané. Donc sous d'achita beaucoup tout le monde qu'on a faute avec lui. Je pense que contact cutané pas suffit. Moi, je pense qu'il y a des études qui sont faites. On nous prend deux personnes qui ont fini de manger dans la cuillère. Et puis, on l'autre monde manger dans la cuillère, à même cuillère. Moi, je dis que c'est une forme possible de contamination. Même si tu as stérilisé la cuillère. Non, si tu as stérilisé, alors là, et définitivement. Voilà. Donc, maintenant, une réalité, c'est qu'à ce moment-là, il faut. Au moins, il faut une certaine forme de stérilisation dans le type d'instrument. Ça veut dire que ce n'est plus question de laver à l'eau et au savon. N'est-ce pas, il faut le tremper dans de l'eau bouillante pendant 10 à 15 minutes qui permettent d'éliminer en général 99% des virus qui perdent la vie et qui mourent sous
sous pression et chaleur 80 100 degrés centigrade qui est l'eau bouillante. Mais au moins qu'on y a un bon bagage pour nous regarder, si nous avons une étude comparative par rapport à COVID-19 là, qui pas trop moyen pour le manifester dans le pays et tropical, mais nous l'Afrique lui-même qui sont région qui très chaud quand même, c'est là il attaqué et puis lui-même rivé traverser et en Europe et côté oui et lui-même rivé arrivé en Europe, zone qui plus ou moins modérée, t'as semblé nous pas besoin que trop gros espoir non, nous t'a dit nous sont pays tropical. Pas mal de moyens pour maladie ça t'as envahi non déjà que les fonds t'as pris quoi non mais COVID t'a frappé la République dominicaine, COVID frappé Miami et le sud des États-Unis. Ce qui veut dire que c'est pour question de tropicalité qui cabé mettez nous exempt. Il y a l'autre facteur nous mêmes jusqu'à présent une n'importe qui a protégé Haïti Kounia, c'est que Haïti est un pays fermé. Haïti est un pays fermé, ce qui est négatif sur le principe. Parce que un pays fermé, c'est un pays qui n'a pas fonctionné. Et nous connaissons pays qui n'a pas fonctionné, pas un pays qui a fonctionné. Mais est-ce que nous avons dit qu'on bon côté? C'est malheureux pour nous dire qu'on bon côté. C'est que actuellement Haïti est un pays fermé. Donc ça veut dire que importer ce virus a pris un petit temps pour Haïti. C'est sûr une garantie que Jodia nous gagne par rapport à variole et singe là. Donc puisque c'est un pays fermé, mais ça n'empêche que contamination a fait tellement vite. Et je pense que c'est pas seulement le contact corporel, comme si mon coucher couteau, mon coucher avant, mon faire l'amour avant, etc. Je pense que type d'évolution hein, probablement gagne l'autre forme encore plus. M'a pas dit est-ce que moustique par exemple qui transfère microbe là, est-ce que y a un rat qui transfère microbe là, est-ce que moi il sorti non et comment il est baissé encore là et qui gagne soit écureuil comme ça parce que écureuil très bien et puis il est tombé dans rat du rat étant traversé dans qui fait ça oui donc c'est ça fait que nous t'as aimé que spécialiste parce que moi même pas avancé en rien que pas sûr de lui d'accord donc ma tante spécialiste ben moi ligne de d'évolution et de contamination virus ça qui certainement fait peur comme tout l'autre virus qui frappait le monde et qui tuait des millions de personnes. Très bien. À nous rentrer dans le pays, non, il est vrai qu'il y a une frontière sous question Nicolas Maduro qui n'a pas chargé. Il a gardé toute élection présidentielle qui a avancé à grand pas aux États-Unis d'Amérique. Il y a qui a changement de candidat fait pour camp démocrate là. Ouais, passer de Joe Biden à Kamala Harris. Nous voyons qui merveille qu'a fait. Mais en attendant, quittez-nous pour garder la situation du pays. Et bon, mon lecture générale, non, parce que ça fait longtemps nous pas ensemble. Et je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui a parlé. Il y a une question méga scandale qui pétait au niveau et BNC, côté il y a trois conseillers qui impliqués dans la question. Et en pile réaction, même étant de Michel tout dernièrement là, couré proposition, eh bien, deux membres observateurs qui m'ont dit pour faire une enquête sérieuse sur la question, pour monter une commission d'enquête sur la question. Et déjà, M. Raoul Pierre lui perdit Postli, il a déjà remplacé par une commission de trois membres. Dis-nous, comment ouais, ça a passé dans le pays là, avec présence CPT et gouvernement Konya, qui pour moi-même, au travail, ont certaines bénédictions quand même. Oui. Alors, avant qu'on pose, qu'on entre dans national là ou te font virer dans international là. On a tourné sur lui oui. Nous gagne Venezuela. Nous gagne Santo Domingo, nous gagne États-Unis qui au point de vue international représentait ont des mires que nous t'aimer Gontimo sur lui. Non, on a tourné. OK d'accord, ça avec plaisir. Maintenant, en ce qui a trait à bon pays en bouleverse, gros bouleverse.
au point de vue gestion. Je n'ai pas besoin de payer un bouleverse au point de vue insécurité. Ça n'a pas besoin de dire tout le monde connaît. Mais au point de vue gestion du pays, le pays a vraiment un bouleverse. Et une chose qui est défrayée chronique là, pendant les trois dernières semaines, c'est le fait que nous dit qu'il y a trois, pas nous dit, il y a monsieur Raoul Pierre-Louis, qui était directeur général BNC, qui écrit premier ministre là, qui dit que lit en insécurité parce que il y a trois membres, trois présidents, tout le monde comprend ça, me dit, il y a trois présidents qui viennent côté lui, qui dit lui, qui m'en dit 100 millions de gourdes pour qu'un bill comme directeur. Président conseil là. Comme président, oui, président conseil là. Voilà. Avec monsieur, son avocat, c'est avocat qui cité non yo, c'est avocat qui l'a lié sous réseau yo avec sous le niveau de la presse, non trois Vertilaire, Augustin et puis docteur Gilles. Et il y a une belle discussion qu'a fait. Jusqu'à présent, moi-même personnellement, situation pas claire pour moi. Pas clair comment est-ce que c'est une démarche que le président conseil a fait pour capable déranger et CPTA ou du moins est-ce que c'est son bagage qui fait mais monsieur va venir endosser responsabilité a et il fait plus petit à payer ça. OK. Dans quel sens il pas moi penser que moitié Vertilaire côté Vertilaire sorti a jusqu'à preuve du contraire. Je ne le connais pas. Je n'ai pas un ami. Pourquoi jamais rencontré elle. Mais j'ai vécu un certain temps, pendant un certain temps. Enfin, j'ai fréquenté la société capoise. Mais ça va empêcher que non cité. Oui, ça va empêcher que non cité. Les deux autres, ce serait feu de paille. Ce serait tout à fait normal. Ils ont même parlé de passeport haïtien qui est offert par des Dominicains pour participer. Biden. Soit exemple, sont là même pas sur côté pour me parler de l'autre ami. Oui, même pas, mais comme si vous prenez exemple ça, parce que ça a quand même un mauvais exemple. Il fait vrai. Il fait vrai. Et ça me dit même. Mais parce que j'ai une situation. Et ça me dit même. Une situation pas claire pour vous. Non. Montre que, dénex ça, je vais discuter pour vous. Du tout. Bon, c'est le monde qui a fait le monde. Si bon réserve, vous gagnez seulement sous Vertilaire. Si bon réserve, vous venez sous Vertilaire. Mais, bon réserve sous accusation ça. Qui sont 100 millions de gouttes là. Sous 100 millions de gouttes là. Je ne pense pas que tu as abordé le dossier du point de vue historique pour dire tout le monde qui n'a pas de direction dans le pays, qui condition qui toujours mettre là, pour qui ça, est-ce que ça qui est la son grande première ou du moins c'est son non, je ne vais pas entrer là, parce que ça, tout le monde connaît déjà. Je ne vais pas entrer dans le bagage que je voulais apporter un élément qui n'est pas nouveau, mais que la communauté a pour réfléchir sous lui. Ok. Songez moi, je vais feu vert et à CBTA. De manière démesurée. Sans réserve. Oui, sans réserve. Maintenant, le temps des réserves est arrivé. Cependant, dans le cas ça, bien précis, je doute. Micro fermé. Je doute, me douter que. Monsieur, t'es demandé 100 millions de gouttes vrai. Alors, qui t'aime venir? Moi, douté pour plusieurs raisons. Bon, hier, il y a un incident privé. Il m'a dit à lui, pour le présenter dans l'ULCC, avec des preuves que l'avocat dit que rien. L'avocat dit au niveau de la presse
que y ait un certain nombre de preuves indiscutables que monsieur a demandé l'argent ça. Il ne s'est pas présenté. Hier, il a tenté de quitter le pays. Il a bloqué l'aéroport. Donc, M. Pierre-Louis est en train de fuir. Mais ça va lui dire, c'est parce qu'il est fautif, non? Qui peut la faire tout de suite. M'a fait analyse, pam. Parce qu'on a gardé pression. Il m'a dit, non, il était déjà annoncé, il était déjà écrit pour le ministre pour demander de sécurité, renforcer la sécurité, parce que. Moi, d'accord. Il est menacé à privé pour le ministre. Cependant, c'est des analyses que l'a fait et m'a obligé à accepter l'analyse pour là. Qui vraisemblable. Mais ce qui est vraisemblable n'est pas obligatoirement vrai. Non, de même que Samuel m'a dit à tout, me les porter des éléments vraisemblables, c'est pour ça que je ne peux pas capoter comme on fait indiscutable. Ok? M'a venu avec des éléments d'analyse qui a montré que le faux à l'avenir, qui a montré que le vrai tout à l'avenir. C'est l'avenir qui peut dire nous de quoi il en est réellement. Moi, je crois que il y a une magouille vraiment de très, très haut niveau dont l'objectif est de casser le CPT. Sauf faire des recommandations de mon observateur. Puisque vous avez un des affaires. Et pour moi-même, c'est parce qu'ils sont très précautionneux. Ils ont demandé la création d'une commission d'enquête. Non. Si vous avez. Moi, je suis si pas là avec moi dans toute franchise. Écoute, Elise, c'est normal que vous commission d'enquête. Et un phénomène comme ça qui est éclaté. Voulez pas, voulez, faut qu'on ait une commission d'enquête indépendante qui pour venir bailler le dernier mot. Donc, c'est tout à fait normal. Un scandale de ce genre, obligatoirement, il méritait une enquête indépendante. Et mal plus loin, s'il était qu'à une enquête à caractère. Que certains secteurs internationaux intervenus, et pas n'importe qui, non? Parce que un secteur international là qui déhier éclaté CBTA. Et puis, ça qui est dans le texte, 3 avril là, il dit, si il y a 3 personnes dans CBTA qui indexé pour ceci ou pour cela, CBTA a éclaté. Il reproduit exactement sa texte 3 avril l'a dit. Mais nous avons gagné des enquêtes préliminaires, parce que moi personnellement, j'ai commencé à mener. Lorsque M. Raoul Pierre-Louis a dit que il était invité dans Oasis. Oui, dans Oasis. Dans la chambre 408. Il était venu là à Kaili. Ok. On va essayer de voir si ça a été fait. Effectivement, si on t'a fait qui objet principal comme ça. Bon, pour une bagaille, il a accusé Vertilaire. Les preuves sont apportées que Vertilaire n'est pas là. Non, il a accusé, il a dit que Vertilaire était présent chez lui. Chez lui, oui. Or, Vertilaire n'a jamais été chez lui. A dit que. Non, écoute, il y a des informations qui sont là, oui. Et pour faire confiance. Oui, je fais crédit. Mais au minimum de crédit. Moi, analyse moyen, il est basé sur Vertilaire que vous impliquez dans un scandale avec deux scandaleux traditionnels. Si vous te dites Gilles avec Augustin, vous pas mettre Vertilaire. Mon cher, on a dit 90%, on va discuter ça, pour moi, sont vraisemblables qui presque vrai. Mais vous dites information dans la rue, et on fait petit, et vous information que les messieurs sont capables de prendre l'argent qui est demandé.
Non. Écoutez, 20 000 dollars américains sont carte de crédit pour un chef d'État. Son blague. Mais est-ce qu'il est entré dans la tradition BNC? Non, il est entré dans la tradition. Non, il est entré dans la tradition BNC en tant que banque d'affaires pour offrir tout le monde qui gagne crédit, qui gagne un minimum de crédit, des cartes de crédit. C'est normal. Et le jour où on a touché 200 000 dollars américains et que dans la banque où on gagne 50 000 disponibles, il y a vous nous fout une carte de crédit de 30 000 dollars. C'est job là ça. C'est normal que BNC offre d'ailleurs. Mais avec condition, c'est moi qui pourrais fouiller contre là, mais fois ça, je dis c'est dit. Non. Le président qui pourrait. Il y a la carte de crédit. Il y a la carte de débit. Non, mais carte de crédit même, carte de crédit même, lorsqu'on gagne, à chaque fois, après, ou autant. De renfouillement, faut toujours renfouiller. C'est normal, à chaque 90 jours, faut que vous couvriez dépenses ou faire dans le cadre de crédit. Voilà, mais fois ça, c'est pas sous responsabilité, pas, malgré ce que Non, depuis ce cadre de crédit lié, c'est sous non lié, c'est au poupé. Ok, on avance. Il n'y a pas sortir de là. Mais m'a simplement dit que il y a eu une affaire de cadre de crédit et que tout monsieur m'a gagné un cadre de crédit, que je trouvais tout à fait normal. Bon, si vous même avez un carte de crédit, il est vrai que carte de crédit n'a pas dépensé 50 000 gouttes. Ouais. Bon, c'est possible, parce que vous jugez que nous n'avons pas un crédit. Ouais. Mais nous, tout haïtien qui doit avoir un carte de crédit. Et en n'importe quel. Sous besoin de carte de crédit, je dis à un yen pour aller au Japon pour obtenir. Sous besoin d'un euro. Pour aller en Europe, pour obtenir. Mais étant donné que dollars sont. Bien que BRICS a le problème sérieusement, et dollars sont une monnaie internationale, donc en général, il fait carte de crédit sous dollars. Donc, c'est ainsi que moi-même, je juge que si demain matin, je vais me bâtir, je vais chercher 2000 dollars américains pour me mettre son carte de crédit. En façon pour me mettre. Pour ma bête 2000 dollars, on va se payer mon carte de crédit de 5 à 6 000 dollars. Parce qu'il faut qu'on base, puis on va rouler. Il faut qu'on crédit. Bon, maintenant, moi-même, je dis, mais attirer l'attention communautaire que gagner une volonté pour écraser ces BT. Gagner une volonté claire pour moi pour écraser ces BT. Je ne peux pas défendre Gilles, je ne peux pas défendre Augustin, je questionner Vertilaire. Je ne dire son défense, ouais. Je questionner positivement Vertilaire. Cependant, je vais faire l'autre bagaille. Je juge que les accusations qui ont été portées, il y a trop de failles là-dedans. Vous avez parlé dans l'accord, oui, quand vous dit selon ça. Oui, malheureusement, je ne peux pas venir dans l'accord. Automatiquement. Et l'État identité de trois membres qui s'est éliminé. Éliminé automatiquement. Ouais, automatiquement. Donc, c'est ça qui fait, selon même, l'État est rentré, il n'a pas seulement résisté sur Gilles avec et Smith, mais il a avancé sur Vertilaire juste pour qu'il y ait trois membres. Oui, il y a trois. Et la vérité, c'est que pour M. Kony, que je suis supporté à 100%, fait ça que vous le faire. Il n'y a pas de souvenir, oui. Faut pas gagner un CBT. Donc ça, dis-moi. Mais d'où... Vous pensez qu'on va continuer à exister sans président CBT? Oh, bien sûr. Et c'est ça, besoin même. Pour faire qui ça? Quelle alternative? Ah, mon cher. Mes amis qui m'écoutent ou qui me regardent. Mais pensez que... Qu'on poussait... de l'extrême droite qui fort là actuellement. Je pense que des secteurs très forts de l'international, bon, disons du secteur américain,
besoin de remettre PHK au pouvoir. Vous pensez que le président CPTA a empêché? Ah oui. À quel niveau? Parce que CPTA est l'autre candidat. D'accord. Et l'autre candidat. Moïse Jean-Charles son candidat. Claude Joseph son candidat. Mais l'autre dit Claude Joseph, je ne sais pas différent sentiment avec PHK. Directeur, c'est pas même bagaille. Non. L'idée ministre Affaires étrangères. Non, l'idée ministre Jovenel. Premier ministre, mais qui dit Jovenel du PHK. Attendez, non. Alors, par contre, si c'est qu'on cache, bon, faire ressortir libre pour nous connaître que bon côté et Jovenel est divisé bon. Avec le PHK. M'bal dire l'autre gens. Mais pensez, j'en dis là, mais tout à fait d'accord avec vous. PHK a plusieurs branches. Ok. Branche au besoin de pouvoir, au besoin de branche. Michel Matéli a pris le pouvoir. Mais comment un pays qui c'est Haïti oui. fin vivre scandale ça yo, fin vivre et quel est le vrai mot pour montrer comment nèg yo gaspiller là un pays et puis mettre pays à côté les jeunes yo dit pour Michel Matéli t'a prétendre qu'il est capable de retourner au pouvoir, on pas connaît pas quelle voie. Voilà. Il y a deux voies essentielles pour Michel Matéli ou yon Michel Matéli. Attention. Ou bien nous avons Michel Matéli, ou bien nous avons un petit plus mal que Michel Matéli. Jusqu'à présent, monsieur, a joué avec la sécurité. Et moi, pense dans l'analyse PAM, il y a une possibilité pour nous qui ait une sécurité à un niveau lié. Et puis, on fait élection. Vraiment des mecs qui ont dit je fais élection. Pendant tout le monde dans la rue, tout le monde qui était caillou, pas de monde Kafou encore, pas de monde Matissan, pas de monde Solino charge la pour assaut l'autre gang qui a privé. Oui. Et département de la Tibonite en pile commune parce que est vidé mon yo cour qui était zone. Comment organiser élection dans une situation pareille? Et si vous décidez qu'il y a une élection? Et si vous décidez qu'il y a telle zone qui n'a pas une élection et puis il y a fait élection dans telle autre zone? Mais. Quelle décision? Tu vois l'État dirigé par un certain nombre de personnes et Mounsayo, si nous avons bien choisi les dirigeants, il n'y a pas d'abonnement niveau lié là. Si nous, qui est-ce? Qui nous? Moi-même avant. Ah, comme si nous avons faute dans ça qui est dans le choix des dirigeants. C'est pas là, non? Depuis Soumaniga. Depuis Duvalier que vous voulez aller, nous avons dit que vous voulez aller. Depuis que la population n'a pas gagné de droit dans l'élection encore, depuis que vous voulez. Duvalier, la population a gagné de droit dans l'élection 1991, après avoir gagné de droit encore. Et vous dites, si nous avons bien choisi. Parce que, en 2005, mais vous-même me dit, mettez les siphons sur Maniga, président. La population n'a pas marché avec. Si bien que, le coup d'État de Préval. Non, mais là, en 2011, là, mais attendez toujours. En 2011, demandez pour mettre Michel, Madame Maniga, d'ailleurs, qui décevoir mon pile. Après, vous me demandez pour Madame Maniga. D'accord, Madame Maniga, pour avoir fait grand chose. Par rapport à ça qui passe. Non. Écoute, il y a 12 ans de différence. 2010, 2021, 2022, il n'y a pas une bagaille. Okay. Mais ça n'a pas empêché quand même les citations, même avec Matéli, face à même Bayer, monde qui est habitué à financer et élection dans le pays, il y a quand même. Qui l'est? Et selon toute information, yo, et qui est ça? Ce n'est pas Batista, comment Dominique est-ce encore, qui t'a. Bautista, très bien, qui t'a financé une série de candidats potentiels et parmi eux, Madame Maniga, quand même, était là. Ok. Et nous connaissons, et selon le principe mondial là, qui finance commande. Ok. Et comment un monde qui t'a souhaité faire travail PIA dans toute intégrité, dans toute indépendance, pour le chita,
censé par l'argent population pour ta créer une mobilisation okay. pour ta permettre que les candidats le financer mais quand même on nous prend un petit temps on nous prend un petit temps m'a simplement dit que nous t'aimer tourner sous question ça avant on l'autre là okay, parce que le samedi chef campagne Milan Maniga pas de problème mais tes chef campagne Milan Maniga Jump ou ville ou dilay va qu'on s'allier. OK. Bon, donc, j'ai après moi bien. J'ai les secrets. J'ai les secrets des élections de 2010. Okay. Parce que moi t'es un acteur principal, c'est moi qui t'es responsable élection Mirland Maniga en tant que chef de campagne. OK. Et m'étais rentré toute autorité que nous t'es dû rencontrer ensemble jusqu'à madame Clinton. Donc, on a aimé que nous. Vous êtes vraiment ambitieux de Samarel, elle de traverser à hauteur là tout. Madame Maniga, pas jamais traversé la République Dominicaine. Non, c'est pas ambitieux de aux États-Unis. Tu vous racontes qui t'es fait. Non, ce n'est pas vrai. Je te dis, je te donne les informations. D'accord. Ok. Parce que pendant la campagne électorale de 2010, Madame Maniga, pas jamais quitté le pays. Ok. C'était du tout, jamais. Bon, on va souhaiter, c'est ça que tu es arrivé à Mme Martine, non? Qui t'a dit qu'elle n'est pas en France, mais elle n'est pas là. Non, moi-même, je dis que pendant la campagne de 2010, Mme Maniga n'a pas jamais quitté le pays d'Haïti. Yeah, on allait. On nous était. Bon, donc comme je te dis, maintenant, et la population a le. C'est la responsabilité quand même. Le monde dit, bon, monsieur c'est volé, bon volé. Monsieur c'est dealer drogue, bon dealer drogue. Monsieur c'est vagabond, bon. Mais c'est qui est-ce qui freine qui freine dans la société à Cap Deal? Ah oui, mais lorsque. Parce que tout le monde parle au nom de la population. D'accord. Je ne sais pas comment avoir noté les frères ça. Mais lorsque. On frère Jabdil et puis moi chita, moi croisé bras, moi qui ne pas réagir, qui dit mon consent? Eh bien, on connaît. Audacieux, il y a plus. Ah, mais voilà, il est temps que les gens sérieux, les gens honnêtes, ils mettent audace par au-dehors. Alors ça, pour un siècle encore. J'espère que tu te trompes. Je l'espère. Oui, on nous continue. Donc, c'est certain que je dis, mais questionner. M'a dit pas vrai non? Mais questionner ce scandale des 100 millions de gourdes. Maintenant, qu'il y a deux vérités qui ont tombé 10 ans après ou 15 ans après ou 20 ans après. Est-ce que c'est ces chiffres-là ou questionner ou du moins c'est des démarches-là? Démarches-là. Non, le chiffre n'est pas questionnable. Mais il te dit s'il pas rentré dans la démarche-là, il a perdu pour ça. Écoutez, mais c'est le directeur général. Et comme de fait, il perd du poste. Il perd du poste parce que. Il y a beaucoup de gens pour remplacer, lui remplacer quand même pour combien? Non, c'est attendez, yo, parce que il y a une enquête ça qui est en cours. Ok. Mais au cas où, enquête ça t'a arrivé, il est vrai. Il peut t'éclater. Parce que c'est vite encore. Non, mais c'est. Pour moi-même, là, pour l'instant, Gary Conny a dossé. Responsabilité lorsqu'elle est d'accord pour le révoquer et président. Non, la décision n'est pas de Gary Conny. Pour révoquer là. Oui. Oh, bon, information manquée. Attendez. Non, je suis tout défendu. Gary Conny, qui d'ailleurs qui font goûter, ouais. Dans les livres. Ah, mais c'est ça, pas tout là. Attendez bien. Les fonds et. Il va révoquer. Les fonds et. Non, même tout la décision n'est pas de Gary Conny. Mais quand même, c'est lui qui a dossé. Ok. C'est pas parce que c'est M. Xi et Babia qui dit que c'est des décisions Gary Conny. Mais jusqu'à présent, c'est lui qui a fait les frais. Directeur. Au cas où il est arrivé révéler que des machins là étaient vrais. Bon, si des machins étaient vrais, il y en a qui n'ont des machins. Pourquoi c'est Gary Conny? Toi, dis-moi. J'aime d'où là. Je vous dis pour ça, on n'y a pas venu délire. Mon petit Jean Flou. Attendez, chef. Attendez. Communauté qui suit nous. Hein, et son information dans la communauté. Il ne faut pas parler à nous deux. Ok, Je vais simplement dire que. Et Gary Conny écrit une lettre. Il dit, monsieur, que. Le arrivé, que le. Il était nommé pour 3 ans. Et que 3 ans arrivé. Et que je dis à la. Le système est en banqueroute. Et que. Il a annoncé lui-même
qu'il a révoqué. L'erreur, c'est qu'on n'a pas qu'à annoncer son commission liée. Ou pas qu'à annoncer, ou pas qu'il doit annoncer commission hein, qu'on révoque le président, président ou après annoncer qu'on révoque commissionnaire conseil là. L'autre dit ou le conseil est mis à pied, président tout mis à pied tout. Mais l'on identifié individuellement, nous bien les lettres là. Il dit président que ou même individuellement ou révoqué. C'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Ou pas gain droit révoquer le président pendant que on tout révoquer tout conseil là. On dit le conseil n'est plus en action. Le conseil n'est plus en service. Le conseil est révoqué. Automatiquement quand on dit le conseil est révoqué, côté président, côté vice-président, côté secrétaire, quelque chose mon nous dit dans conseil là. Ou révoqué. Ouais. Mais je n'ai pas compris le comportement de l'équipe de Koni qui préparait les ça et fait Koni sienne. Côté identifié, yon grand monde en dans conseil là qui a révoqué. Et l'autre, est-ce qu'il a révoqué? Et vous l'autre, vous l'autre, tu parles encore. Parce que le conseil a 5 membres là-dedans. L'on évoqué yon. Rétez cap. Contre l'autre cas. Mais est-ce que ça parle du tout automatiquement président révoqué, il est tout révoqué non. Avec toute pièce. Ce n'est pas vrai. Non, c'est une question posée. Moi, dis, non, que... la question est claire. C'est que la révocation, elle est ou bien elle est collective, ou bien elle est individuelle. Donc, ce que moi-même dis que révoqué, ça ne veut pas dire que révoqué est dispo ça. Mon ce dit là, et décision va venir de Pony. De qui est-ce que vous pensez là? Du conseil là. De conseil là. Non, ou dit décision pour évoquer Raoul Pierre lui, elle va venir de. C'est le décision présidentielle. Il y a des droits et la nomination et la révocation de certains. C'est des droits présidentiels. Lien du constitution pour Noël. C'est pour nommer un gouverneur la banque. Qu'on n'y va pas nommer là. C'est un mais droit. Il va pas nommer, il va pas révoquer tout. C'est pourquoi je dis que le droit est présidentiel. Il a agi par mandat. C'est la Constitution qui le dit, c'est pas moi. Donc, pour nous, mon directeur général, c'est le président qui signe la nomination de directeur général. Donc, une révocation se fait par, non, en général, la nomination se fait par arrêté. La révocation se fait aussi par arrêté. Vous ne dites pas arrêter. Il faut arrêter puis dire révoquer ou non. Il faut arrêter et dire nommer l'autre monde. Okay. Automatiquement, quand on fait arrêter ou nommer l'autre monde. Et place ça va faire pour deux. Et place ça va faire pour deux. Ça veut dire qu'on révoque automatiquement. Donc, la révocation n'est pas. Et puis, écoutez, la chose la plus simple, l'être ça n'est pas de sens du tout. Il aurait suffi que Nègre dit qu'il y a une commission formée au niveau de la Banque centrale qui prend la direction de la BNC pour aider les deux en attendant la nomination d'un nouveau conseil. Et puis, au fini. Madame Besson veut dire Nègre révoqué. Ça n'existe pas. Quelle insulte par fond monde. Député Beaubouin, Gary Koni, côté Bahé, à Valois 100%, oui. Qu'on révèle une Yudia qui fait une grosse erreur. Pour même, c'est première ou dimanche? Ça a presque entré dans l'habitude. Je ne vais pas parler de ça entré dans l'habitude. Je vais simplement dire que Gampil. Nous voulons parler pendant le temps sur le pouvoir là. Oui. Non, bon, Gampil erreur que moi pensais qu'il fait pendant la gestion 3 mois. Je suppose qu'il gagne 3 mois là, presque 3 mois. Gary Koni, non? Mais l'autre facteur, c'est que espace là. Pas un espace facile. L'espace n'est pas facile. Et puis, je pense que monsieur entre dans une jouette que le pape prévoit. Qui jouette? Et Gary Koni entre dans une activité
il n'a pas pensé qu'il allait négocier avec Michel Martelly. Il négocie avec elle? Oh oui! Qui Boba et ça fait? À Miami. Ça dit là. Oh oui. Lors du voyage. Lors du voyage de. Document comment c'est tombé là. Mm-hmm. Lors du voyage de Connie aux États-Unis dernièrement, qui te font éclatement entre CPT et Goua et Connie. L'Elta les Salvata Averti. Salvata Averti, ou Dieu aussi avait-il par email, par WhatsApp. Par WhatsApp, et à 3h du matin, le voyage à 9h. Mm-hmm. Mais il n'est pas débarqué New York, il est débarqué Miami. Ça veut dire qui ça? Des deux Miami, pendant le tenant hôtel de Miami, mais il s'est déplacé avec Kiko Saint-Rémy, qui est le beau-frère de M. Michel Martelly. Il s'est déplacé seul. Est-ce qu'il court à bons amis, monsieur? Est-ce qu'il va être à un bail personnel? Est-ce que ça t'a dit automatiquement déplacé avec Kiko, forcément, Kiko mène le bail? Ou son bon avocat? Non, ma pièche, comprenne. Ok, de toute façon, l'analyse, c'est que le fait par M. Kony que le déplacé avec Kiko Saint-Rémy, et que personne ne sait où il a été, ou bien pourquoi dit au niveau de la presse, l'analyse rationnelle, à mon avis, c'est qu'il s'est rendu dans une réunion spécifique avec des gens proches de Kiko Martelly. Oui, tu as compris? Oui. En nous tournant dans la question scandale là, et je ne veux dire, c'est ILCC et qui a une prérogative pour commencer par attendre les gens qui sont impliqués dans la question. Ça, en commençant par M. Raoul Pierre-Louis. Qui ne s'est pas présenté? Non, c'est peut-être la deuxième convocation, mais il était présenté déjà. Il était présenté dans la première convocation. Mm-hmm. Seulement, il était demandé un report, mais par la suite, il était répondu quand même. Et moi, il est passé en 3-4 temps à attendre. Une discussion avec eux. Et. En qualité de président, est-ce que, parce que ce n'est pas seulement et Raoul pour attendre, il faut attendre les trois accusés. Est-ce que il y a des provisions légales pour elle, si c'est attendre au président dans le cadre d'une accusation, qu'il y a question de corruption? Oui. Okay. Oui. Et Femme Doke, il y a un avocat, bon, c'est avocat Gilles, qui dit que c'est seule la Haute Cour de justice qu'elle doit juger. Non. La Haute Cour de justice a jugé des actions politiques que le président fait dans quatre fonctions. Mm-hmm. Mais si le président tout le monde, par exemple, la Gouma, Madame Niltou et Madame Ni, là, il y a affaire aux Haute Cour de justice. Mm-hmm. Si le président a volé, là, pas de cour de justice. Mm-hmm. Si le président Macron a fait trafic d'influence. A fait trafic d'influence. Mm-hmm. Ça, pas de cour de justice. Ça y est là. Dans le cas de ça. Bien sûr, il y a autre cour de justice. Si le président a vendu le pays, si le président a collaboré avec des ennemis de la nation, etc., etc. Là, donc, gagner en ligne de conduite en matière de choix du fait que le président doit être, ne peut être, dans ces cas-là, ne peut être poursuivi que par la haute cour de justice. Mm-hmm. Mais dans le cas de ça, écoute, c'est un cas de vol directement. Donc, en principe, ces messieurs-là doivent se présenter devant l'USCC pour être questionnés. Mm-hmm. Très bien. Où se dit tout à l'heure là, et Gary Kony pas de penser qu'il y a un série de jeunes qui l'a à l'entrée. Parmi eux, si tu as parlé avec l'ancien président Michel Martelly. Mais dans la rencontre qu'elle a gagnée avec diplomatie et internationale, là, dans la dernière rencontre, elle a censé, selon l'information, hausser le ton. Elle dit que ce n'est pas ça au dédile. Et voilà que vous mettez dans une situation pour la mentir en population toute la journée. Il va lever les petits doigts pour balayer les moyens nécessaires pour être capable de quimber promesses. Est-ce que selon vous-même, la communauté internationale a tout rentré dans un jeu mauvais jouet que Gary Kony n'a pas espéré qu'elle l'a rentré?
Bon, c'était le deuxième élément que nous avons discuté avant. C'est qu'il y a des promesses qui faites qui ne sont pas tenues. Ok. On nous prend la situation des Kenyans. Le chef d'équipe du groupe des Kenyans, Mwele Lkonsa, monsieur fait en conférence de presse. Il dit que il recevoir matériel qui pas correspond à travail qu'il vient faire. Et il prend un exemple. Il dit que il a gagné effectivement une vingtaine de blindés, matériel qui bien blindé. Cependant, matériel ça yo pas permettre que yo al bataille sur le terrain parce que ce sont des matériels de transport de troupes. C'est pas des matériels de bataille. Yo pas gagné ouverture pour yo visualiser l'extérieur là yo en dedans. Yo pas gagné tourelle en dedans pour nettoyer l'environnement parce que là yo non on blindé avant pour mettre 12 moun de blindé à terre. Faut yo assurer que l'environnement est safe. Une zone. Faut zone safe. Or voilà que yo pas gagné aucune possibilité pendant yo de blindé à. Bien sûr, ils ont sécurité en blindé à, mais ils ont pas gagné aucune possibilité pour yo nettoyer l'environnement avant de déposer troupes là. Donc ce n'est pas des blindés qui correspondent à travail que vous voulez faire. Monsieur plus loin. Je dis que là à l'autre côté. Alors là, c'est autant qu'il a parlé là ou oui, autant que. Je dis que là à l'autre côté, ils ont supposé installer jusqu'à ce que vous créez un environnement correct. Je dis qu'ils vont manger. Moyen logistique. Il va jouer un matelas pour coucher. Écoutez, définitivement, quelle est la planification? Si c'était l'armée américaine qui était débarquée là, où suis-je conservateur? Mais écoutez, bon matériel et avion militaire américain a débarqué avant d'arriver au premier contingent. Écoutez, bon matériel, ça. Je suis d'accord avec la question là. Malheureusement, je n'ai pas réponse à lui-même. Et il te dit que c'est arrivé et tout Kenya a préparé. Malheureusement, je n'ai pas réponse à la question. Et pour emballer, je n'ai pas de compte qui ça. De toute façon, effectivement, ce que tu dis est juste. Maintenant, est-ce que matériel ça te correspond? Parce que nous avons plus de matériel là-haut. Et puis là, ouvert. Et pour c'est pas ça que tu as besoin. Et des cadeaux pour tes bébés. Et des cadeaux pour bébés. Ça la donne. Là, je n'ai pas de réponse à cette question. Mais je trouve ça tout simplement. Mais nous sommes d'accord. Et préparation mal faite. Totalement. C'est ce que. Et des deux côtés utiles. Ni le gouvernement haïtien, ni la direction de la troupe kenyane dit que, à un moment donné, je me dis, l'État plutôt quitter Haïti, tant pour venir échouer là. Parce qu'il n'a pas les moyens. Où ça au moins de le vin faire. Donc voilà. Donc nous avons une situation. Et le temps pour eux, mais ils ont commencé de matériel que ils ont demandé. Le temps pour jouer le matériel, ça prend combien de temps? Parce que déjà, en octobre, première année Kenya a fini. Même si c'est en juin ou vini. Mais première année officielle par rapport à demande là. Par rapport à demande. Le Conseil de sécurité et numéro 26-99. Voilà, voilà. Donc d'ici octobre, il finit. Il faudra que l'ONU renouvelle. D'accord ça. Donc, je vais te répondre, je vais être facile. Et nous avons en face de nous, probablement, un Occident qui a fait tout ce possible pour plonger nous dans le fond de la mer. Mais, objectif-là, qui s'allie, député Bobo, parce qu'il faut nous garder, lui. Nous, on a eu toutes possibilités, même des zones dans le pays, à côté monde pas qu'à pénétrer. Si vous pénétrez, il faut qu'on ait un aval. Et les gens qui sont censés sécuriser l'espace là. Et
et autorisation ça li pa vini comme ça et selon et en plus l'information qui a sorti dans zone Cité Soleil côté fond des charges et des déchets mais quand même ils ont montré dans zone qui sur sécurité et moins pas résistance qui côté lié ni bon côté autorité haïtienne même bon côté la population haïtienne mais pour qui ça monsieur vous avez toute l'attitude pour faire ça au le pays mais vous insistez et non qui sont mauvaise gouvernance quelque soit mon bail pouvoir ou pas bon possibilité pour réussir dans entreprise ou qui ça qui derrière bagage ça même pour qui ça c'est comme ça traitement dossier à faire est-ce que c'est pour capable parce que si nous avons son richesse dans le pays monsieur t'a besoin pour me ça t'empêcher prendre est-ce que c'est pour ta est-ce que c'est pour arriver faire nous pas exister encore comme une nation qui ça qui objectif final là même selon vous question ça a demandé une analyse d'une commission qui gagne des spécialistes en plusieurs matières. Apparemment, pour moi, et depuis un certain temps, les États-Unis ont livré domestiqué totalement ce coin de terre qui est lié à Haïti. Et domestication, ça, nous relie à travers des réactions. Nous avons par exemple CIRH. Côté que près de 13 milliards de dollars que le monde fait Haïti cadeau et que on n'a pas les preuves que gagne plus de 1 milliard de dollars qui investit dans 13 milliards côté l'autre 12 milliards là. Donc il faut questionner CIH. Avec autant de facilité Petro-Caribé n'a pas gaspillé l'argent. Donc, il y a une possibilité du fait que vous fermez les yeux sur une série d'activités qui permettent que le pays descende chaque jour plus. Et maintenant, voilà que il y a ce dossier Biden, il y a le parole. Côté que Biden ouvre porte, bail un secteur dans quatre pays, comme ça en Haïti, nous y est, n'a parlé de Haïti. Il est possible pour Venezuela, il est possible pour Nicaragua, il est possible pour Cuba. Côté que ils ont sélectionné un certain nombre de secteurs pour bailler visa. Maintenant, nous-mêmes les organes, nous avons pile monde les organes qui prend Biden. C'est chance pas. Mais gain de monde yo prend, ils ont sélectionné nos médecins, ils ont sélectionné nos ingénieurs, ils ont sélectionné nos agronomes, ils ont sélectionné nos professeurs. Et je dis à l'administration publique, nous avons déconné 8 000 personnes, 8 000 places vides. Mais je suis sûr que c'est plus que 20 000. Moi, je suis sûr. Dans 80 000 employés de l'État, plus que 20 000 employés qui ne sont pas effectif. Donc, comme c'est, il y a peut-être octobre, ouverture année fiscale là, qu'on y a pour chaque monde, il y a preuve que au présent. Pour yo, parce que après ouverture d'une année fiscale, il faut reconduire les chèques de l'année. Donc, tout le monde qui part directement présent, chèque ça va couper. C'est le ça qu'on connaît effectivement combien de monde dans l'État qui est présent. Ça ne va pas empêcher nous, chaque gouvernement qui vient, il est toujours là. Et chaque gouvernement qui vient, il est toujours joint. Il y a des gens qui part effectif, qui touché dans l'administration de l'État. Bon, tu connais la situation plus grave. Qu'on y a là, gain de monde c'est raquette. Ça veut dire que mon dans un pays étranger et puis ils ont raquette, ils ont monde qui mettait sous bill l'État. Mais ça, situation à vivre là, c'est que mon nan li parti, li quitté travail li. Le directeur de la BNC du Cap Haïtien, je crois, bénéficiaire du Biden, il virait l'aller. Le bénéficiaire de je n'ai pas le droit de dire ces choses-là. Je m'a simplement dit qu'en général, dans l'administration publique, il y a un pourcentage important de monde qui employait l'État
et qui quitté pour y aller dans Biden. OK. Toutes sortes de raisons. Et raison plus fondamentale là, c'est l'insécurité. Donc, je dis, hein, le premier ministre va foutre à le ministre de l'Intérieur, au travail. Pourquoi ça? C'est pour ça. Parce que zone sont zones insécures. Donc, et les employés du ministère, d'abord même, ils vont aller. Pour exemple, ainsi de suite, il y a un pile employé de l'État qui quittait job. Donc, ce qui veut dire que il y a prennent nous plus vulnérables chaque jour. Lorsque nos jeunes médecins, nos jeunes ingénieurs, des mondes que le pays a investi dans eux, et pour aller yo, ou mettre yo dans leur pays, c'est une perte considérable pour le pays. Donc actuellement, il y a dépucé le pays, il y a détruit le pays à nos sens. Et ça fait chaque jour, pendant ma voilà, mais toujours dit, nous avons besoin de toute cette ouverture. Parce que situation à vivre là, et bonne situation facile pour nous sortir en balle. L'Amérique est trop fort. Et avec l'Amérique, le corps groupe est trop fort. On doit négocier, on est dans l'obligation de négocier avec les forts. Mais il y a une façon de le faire. Et dans l'histoire d'Haïti, le plus grand diplomate qui réussit à négocier dans des situations aussi difficiles, était relé Toussaint Louverture. Et il y a une chose à nous besoin là, je tiens. Mais nous, pendant cette semaine-là, à travers une cérémonie de célébration ou du moins de commémoration, et t'as essayé dans les organes, bah on est sur une forme de question ça, essayé commémorer 233 l'année et cérémonie Wakaïma. Moi-même t'as questionné l'événement, me dit est-ce que c'est pour nous capables de ressourcer nous? Ou du moins est-ce que c'est dans le cadre d'un bagage folklorique pour nous faire tout le monde songer de combats et contre le passé? Selon vous-même, si nous t'as combats et contre pour nous faire dans quelle dimension pour nous faire? Et pour être capable d'essayer de rejoindre tout ça l'ouverture, est-ce que c'est réincarné la voie incarnée? Ou du moins, est-ce que c'est à travers et œuvre que nous parler, action qu'elle dépose, pour nous dire bon, on a pu imiter dans ce sens, pour être capable de mener la diplomatie à notre niveau? Comment on peut aborder le dossier ça? Il nous faut un homme de cette dimension. Ou parler de réincarnation, bon, il y a une forme de le phénomène de la réincarnation. Maintenant, nous avons des génies. Nous avons pour identifier Mounzaïo. Mais les génies existent. Donc, il faut donc gagner un pile de génies que nous gagnons, que l'Occident compromette avec l'argent. Mais je suis certain que gagner, si vous ne plonger dans les champs de sirènes de l'Occident, nous aurions un pays différent. Mais malheureusement, donc je dis, nous dit 14 août, 14 août, c'est la base de la plus grande révolution mondiale. Et 14 août, c'est le point de départ de la libération de toute une race. C'est pas de la libération d'Haïti. C'est la race noire qui sont les libérations ce fameux 14 août 1791. Donc, le peuple haïtien et la race noire en tant que race, moi-même dit peuple, nous dit race, devrait vénérer ce mouvement, une cérémonie loi ça qui était faite caille. Pourquoi ça dit loi? Oh, c'est une cérémonie loi. Ah non, sérieux. Je pense que c'est une cérémonie spirituelle.
Lors de loi, moi, au cadre, non. Mais non, je voulais exactement entrer côté le théâtre. C'est pour cérémonie que franc-maçon t'es fait. C'est pour cérémonie père t'es fait. C'est pour cérémonie pasteur t'es fait. C'est pour cérémonie religieux traditionnel t'es fait. C'est une cérémonie qui t'est faite dans la ligne de la religion qui sortit en Afrique, qui est le vaudou. Réalité, il ne faut nous pas appeler, non? Faut nous dire réalité telle qu'elle. Donc, c'est ton cérémonie vaudou qui t'est réuni, qui te permet que tout esclave qui était dans la zone, là, ou les leaders des esclaves qui étaient arrivés par participer à la réunion, ça, prennent conscience que le temps était venu de sacrifier des sacrifices ultimes. Parce que tout n'a pas mourir, mais au fur et à mesure qu'il a mouru, l'autre il a créé de nouveau, jusqu'à ce qu'il arrive à 1804. C'est des milliers ou des centaines de milliers d'esclaves qui mourent de 1791 à 1804 pour nous arriver dans le stade de l'indépendance. Et ce jour-là, c'était une cérémonie vaudouesque. Mais au pas de plus, ouais, c'était une cérémonie d'engagement. Ah, bien sûr. C'est côté tout le monde qui était là, qui était sémanté, soit au vivre libre ou bien au mourir. Tout mais à fait. Mais je vous dis, est-ce qu'ils n'ont pas en face une situation qui est similaire? Oui. À 100%. Et qui mandait même élan ça. Et voilà que je vous dis, tout le monde voulait, c'est la belle chanson à y avouer. Ah, voilà. Donc maintenant, il faut retrouver l'esprit des victimes. Parce que c'est les victimes qui doivent se réunir. C'est eux qui doivent incarner, je veux dire. Tout à fait. C'est les victimes. Les esclaves, c'était les victimes du système. Et qui écrasaient un système international que Blanc va pardonner nous-mêmes. Jusqu'à présent. Et qui est beaucoup prêt pour pardonner nous. Nous, il faut nous faire un genre pour commencer prêt. Mais est-ce que c'est pardon nous besoin de faire ça? Ou bien est-ce que c'est nous. Oh, pardon! Pour nous demander pardon? Qu'est-ce que c'est? Ils ont même demandé nous pardon. Ils ont sacrifié des. Je n'ai pas de chiffres là dans la tête. Ils ont passé 3 siècles à prendre des Africains pour venir en Amérique. 80% de la population mourit. C'est crime, monsieur, ça vous fait. Vous commencez à demander pardon. Vous demandez pardon. Parce que vous dites que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Mais si c'est un crime, comment il a fait? Non, vous dites officiellement. Comment il a fait pour vous? Parce que si vous faites un crime, il faut vous faire remise. Comment il a fait pour vous? Ah, la question se pose. La question se pose, comment réparer crime ça, qu'on fait? Ou reconnaître que son crime, mais comment réparer crime ça? Parce que si tout crime la France fait contre nous, non seulement les crimes de sang, les crimes contre l'humanité, mais le crime financier tout. Bon, effectivement, il y a la dette de l'indépendance qui est un élément additionnel dans la bataille. Donc, c'est certain que, sujet ça peut-être. Même les ODK souhaitent pour demander pardon, mais est-ce que conséquence pardon ça, il n'y a pas supporté? Non, mais le président français, qui me dit non, monsieur. François Hollande? Non. Parce que l'aile de ville, là, on ne parler donc question de dette morale. Dette morale? Oui, ouais. Exactement. De quel président? François Hollande. Oui, François Hollande, ok. François Hollande a reconnu qu'il y a eu un crime. Et que ce crime-là entraîne une dette. Et que dans la tête, pour lui, son dette morale. A-t-il la vérité? Est-ce que nous sommes capables de corriger le crime ça? Même Jean, Louis XVI, qui te signe avec Boyer, t'es essayé de corriger et perdre que colons français yo, t'es perdu pendant l'indépendance. C'est ça, dit, c'est pour ça que tu fais payer ça. Je dis à qui ça nous perdu? Qui ça l'Afrique perdu?
Parce que dette là, il n'est pas seulement dette envers Haïti. Il n'est pas seulement dette envers les autochtones qui étaient. Pas autochtones, pardon. Les Noirs qui ont été emmenés en Amérique. Il est surtout dette envers l'Afrique. L'Afrique, côté que, ils ont dépecé l'Afrique. Ils ont pris des millions de jeunes Africains pour les retirer en Afrique, venir faire esclaves en Haïti. Ouais, ouais, ouais. Donc, ils ont une dette sérieuse envers l'Afrique. Mais nous-mêmes. Oui, parce que ils prennent papa, ils prennent petite, ils prennent maman. Et ils séparent eux. Ils prennent pas. Non seulement ils font ça, mais ils n'ont pas fait distinction de classe. Quel que soit le monde, côté petite prince, côté petite, quel que soit le monde, il y a, il faut. C'est ça qui fait. C'est ça qui fait tous les vertus de Bakela. Donc, maintenant, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'Occident blanc, pas vieux à Haïti. Cependant, la nature commençait par nous, quelques portes de sortie. Je ne sais pas combien de temps ça prend. Qui peut tuer là? Pour les bagailles, les banous, un premier noir président du plus grand pays, de la plus grande puissance mondiale. Et qui va gagner connaissance envers nous? À nous calculer. Obama, au moins, il a la couleur de la peau qui est noire. Mais Obama n'est pas, psychologiquement n'est pas un noir. Bon. Pour qui ça? Parce que Obama, il est le fils d'un Kenyan et d'une Américaine. Maman a papa séparé très vite. Il a été élevé par sa grand-mère et par sa mère. Il a été dans les écoles. Il était seul noir qui était dans l'école blanc dans toute. Juste à ce qu'il est à l'université, il commence à fréquenter d'autres noirs, c'est à l'université. Il était même en Australie, à un moment donné, ils font tant en Australie avec maman parce que maman est mariée. Ou après, il faut avoir un bel live là. Oh, avec plaisir, maman. On nous répond, on nous touche le frappe là. Oui, et on a tourné la question, on a profondé un peu sur la question historique là, on a allé dans la question ponctuelle. Non, en raison ponctuelle. Oui, ponctuelle. Parmi les questions de sécurité, et puis déjà, sous d'accord, je cite non, et ma cité non, parce que je ne vais pas aller à l'Assemblée direct, je dis que. Non, aucun problème. Où tu es déjà bah, à valoir le gouvernement, ça, gouvernement qu'on y a, et où tu es même qui t'a montré comment la question de sécurité va résoudre dans le pays. Ya. Et voilà que, au lieu de ça résoudre, c'est empirer la situation. Oh, c'est, je pense que le monde qui écrit ça, c'est vraiment le monde qui a suivi. Oui, c'est ça, là, sincère. Nous, merci, Mouna, et moi, félicite lui. Effectivement, ouais. Mais comprenez bien. Moi, tout à fait d'accord que moi-même, je t'ai dit, c'est la porte CPT et Kony, c'était la porte pour nous permettre de sortir. Jusqu'au moment où on a parlé là, moi-même, j'ai un problème à Kony. Je t'ai toujours dit tout, côté moi, je marché mal là, parce que je me trouvais Kony trop collé avec PHTK. Kony, bon, mon gouvernement PHTK qui dérangeait. Et selon ce que je dis là, la chita. Avec PHTK. Miami, oui. L'Alpala, Maté. Oui, clair. Et nous, par contre, c'est Saoudi. Marouni Saoudi, mais de toute façon, il n'est pas foutu positif pour moi. Saoudi, il n'est pas foutu bon pour payer. Il n'est pas foutu bon pour nous payer. Mais là, quand même. Oui, il est là. Faut nous dire. C'est ça l'intégrité. Et ça, l'intégrité. Là, citer non, mon cher. C'est ça l'intégrité. C'est un moment d'autorisation pour me citer non pour le décaf félicito. Oui, non. Mais c'est la vérité ce qu'il a dit. C'est là où mon abdi tété. Oui. Bon. Donc, mon abdi dit tété, mettez-le au floche. Ou floche, mon abdi tété. Mais mon qui dit la vérité, il faut reconnaître la vérité. C'est ça. Aujourd'hui, il est fort possible que puis devant moi, me dit, écoutez, je me suis trompé. J'ai le droit de me tromper. Je n'ai pas le droit pour me tromper deux fois. Parce que
c'est un crétin qui refait classe deux fois. Si moi je fais classe une fois, je ne dois pas refaire deux fois. Même jusqu'à date, je ne suis pas un crétin. Mais cependant, ça peut arriver que je me trompe. Ou pour qu'on révèle qu'on soit mon élève là. Mon cher, jusqu'à date, moi pense que. Pablier, nous voilà dans l'international là. Oui, nous sommes sur la bonne voie. Encore? Oui. Pour qui ça? Malgré la situation du pays. Malgré la situation. Pour qui ça? Je pense que si pas de bien ça, c'est pire. Les organes perdus déjà. C'est pas bien ça. Qu'est-ce que tu as perdu? Les organes perdus déjà. Tu as perdu déjà, c'est pas bien ça. C'est pas bien ça. C'est pas bien ça. C'est pas bien structure qui est en place là. Non, là, mon petit problème. Ou qu'il y a des problèmes. Parce que, ou qu'il y a des problèmes, ou qu'il y a et que la communauté a bien avec. C'est que, m'entrer dans le bagage. Non, nous. Parce que l'homme dit Léogan, c'est moi-même, c'est tout le monde qui a tendu nous là, qui a vibré. Là, nous dit, balle tirer dans Léogan, n'a pas quel Léogan qui pas vibré. Et l'homme dit Léogan, t'es qu'a perdu. Il fait tout le monde sauter. Comment c'est pas moi-même qui dit là? Donc, c'est ça fait que, quand il y a la question. Si nous continuons là, nous devons faire tout reste à parler de quelle est la situation de Léogan. Jodia, nous soutenons ça qui a évolué. Et ça, c'est une question qui est fondamentale pour nous, Léoganais, qui peut permettre vraiment que nous positionnions nous. Ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer, c'est que qu'on lutte de prise de. Maradie de pouvoir seulement. C'est plus que le pouvoir. Comme fait là, est-ce que M. Est-ce que M. Clinton va rester le gouverneur d'Haïti en nommant un président en 2026? Bon, nous c'est Kamala Harris a bal doit ça. Ah, et c'est là la question importante qui prend le représentant dans la bataille de l'international. Donc, pas oublier, moi, zami que je te félicite, je me réponse pour lui. Ça l'a sincère. Je dis merci. C'est vrai. Et jusqu'à présent, je dis pourquoi condamner. Le temps s'en vient. Parce que la situation est difficile. Maintenant, si vraiment qu'on est branché sous création d'un nouveau pouvoir PHTK, qu'on est obligé de quitter l'insécurité. Parce que c'est dans l'insécurité seule que l'équipe PHTK a pour pouvoir. Nous allons aller dans l'international là, mais n'a pas question ça. En deux minutes, on va essayer de répondre. Avec plaisir. Bon, deux mains qui fait pour aller en retourner dans le pays. Comment est-ce que ça? T'as même une vini pour questionner? Non, c'est pas dans ce sens. Non, je m'en dis, bon, c'est partisan qui m'a dit pour lui. Non, c'est tout toi partisan. Maintenant, automatiquement que le met pied dans le pays là, parce que il y a n'importe 100 monde qui pourrait porter plainte devant ULCC avec devant le commissaire gouvernement. Mais le ministre de justice qui là où elle est prêt lui-même pour l'attaquer dans ça. Et déjà quand je dis à 3 mois pas avancer, si 3 mois arriver déjà, on va songer date qu'il est pour investir. Et le ministre de justice a beaucoup de moi lui. Mais de la justice en branle, non, là. C'est plus en question. Côté premier ministre, là, il est là, tout. Beaucoup senti, vraiment. A-t-il la vérité, jusqu'à présent, moi, pensais que pas gagner un environnement sécuritaire et psychologique suffisant pour lancer un processus de justice à ce niveau-là. Député Bobo, c'est pas défendre, m'a défendu, non? Mais dit ça me croit. Et je m'a pas ajouté un mot, excusez-moi. Intellectuellement. Une lecture très intellectuelle de la situation. Il y a des bagages qui pourront qu'à faire. C'est mon opinion. Ok. Et nous prenons le fond, garder international, on a fini pour nous conclure.
sous question nationale là, parce que par rapport à la situation et là connu déjà lui-même il était censé créer faillite, parce que lui dit saleté gain comme promesse qui vous te permettre lui eh bien et endosser responsabilité ça qu'il gagne là avec efficacité, lui pas ouais, lui pas venir dans même union et déjà lui ouais de bois, il dit c'est ou nous bien l'autre. Donc si promesse pas tenu, moi même pas capable de livrer. Donc quand même à bon finalité la question ça au cas où international là pas ta qu'aimer promesse. À ce moment que le démissionner. N'a tourner ville là pour capable finir mission avec parti ça, mais on nous pour arriver au Venezuela pour nous dire que élection faite. Nous connaissons Venezuela pour dire un seul bagaille, et pour dire qu'elle gagne son produit transversal. Et déjà, il y a une grosse bataille qui fait déjà, dans un premier temps, il y a des compagnies, nous capables de dire, compagnies américaines qui ont exploité le pétrole là-bas. Avec la révolution, Chavez, bagaille, ça, c'est une suspende. Et Maduro? Maduro, qui sont Poulin et Chavez. Clair. C'est quand même le même système, non? Et vous nous dit à lui en face une situation qui paraît très grave. Élection faite, la première élection était faite, il était contesté, il était même mettre un gouvernement parallèle qui était venu des chefs et parlement qui c'est Juan Guaido, c'était un gouvernement parallèle et nous songeons tout ça qui était passé, mais finalement des tentatives de coup d'état, mais l'armée a été solidaire et que Maduro fait mandat, il se trouve en élection 28 juillet là, qui tout le monde, presque tout le monde contestait, et ça mettait le dos à dos avec un pile pays dans la région, sinon quelques pays qui supportaient lui, et même gagné un président brésilien, qui c'est Inácio Lula da Silva, qui m'a dit, monsieur, qui proposait pour le faire l'élection. Et comment on va faire ça? Est-ce que l'élection qui contestait, je vous dis, c'est parce que vous n'avez pas souhaité. C'est Maduro qui était gain pouvoir, c'était Edmundo. Est-ce que Edmundo est capable d'offrir une meilleure alternative avec Mounzaïo, qui doit vous laisser pour le monopole là? Ou du moins, est-ce que c'est vraiment, oui, selon même, c'est coquin qui a gagné l'élection qui fait tout le problème là? Mais pas qu'il y a suffisamment d'informations pour moi opiner sur coquin ou pas coquin qui était passé dans l'élection. Qui est passé dans l'élection ça. Cependant, pas oublier que au Venezuela, son processus. Nous saluons M. Christel Dessim, président ICAP. Cap-suivre-nous. Oui, merci. Donc, élection. Bon bagay. Maduro John Bruno a évolué dans un processus à caractère révolutionnaire. Et que la révolution. Dès qu'on parle de révolution. Faut un petit rapide parce qu'il y a plusieurs questions. Question? Qui viennent oui. Nous question. Alors, on nous dit que. Que Maduro a réussi, que pas réussi, l'a fait Maduro la polarité. Parce qu'il faut poursuivre la révolution. Mais nous, on regarde les bagages là, même Maduro là. Mais c'est normal, mais. Bon taux d'inflation là-bas, ça va être terrible. De toute façon. Peut-être qu'il n'a pas su gérer le processus. Parce que ce n'est pas, c'est pas aujourd'hui pour étudier pour gestion processus déclinante qui est entré au Venezuela depuis la mort de Chavez. Parce que pas oublié, depuis la mort de Chavez, autorité Maduro gagne que Chavez c'est gagné Maduro Barien. Donc le charisme oui, de c'est la même idée. Ouais, il y a plusieurs même charisme. Donc, si bien que le président de la Chambre des députés a failli donner le coup d'État à Maduro, le support des États-Unis de pays. OK. Donc, vision que nous devons porter sur Venezuela aujourd'hui, hein, rester en vision, est-ce que la révolution Chavez a continué ou bien est-ce qu'elle a cassé? Si vous continuez, il faut Maduro arrêter. Si vous le cassez, c'est le départ de Maduro. Voici en deux mots qui j'aime Taka résumer le problème qui se pose aujourd'hui au Venezuela. On se pose le problème Obama comme étant un noir qui arrivait à la magistrature suprême des États-Unis d'Amérique. Et je ne veux dire, nous en faisons l'autre phénomène qui c'est. Qui ah c'est, voilà qui c'est donc, Kamala. C'est quoi ça d'arriver et phénomène ça et Biden montre qu'il n'est pas capable, il est défaillant et il vieillit
et stratégiquement quand les démocrates là ouais faut changer et de coq pour filer la guerre bon on parle comme ça non la guerre là caillou parce que et président avant et président Vanel a content parce que me parle des coq là mais fois ça c'est bon coq son poule mais elle est pour la plus méchant con coq comment on comprend le phénomène ça et qui a pris aux États-Unis, qui tourne dans sa valgaine sous politique internationale, et voire même nous-mêmes en Haïti, parce que nous sommes parlé de question gouverneur Clinton qui l'a depuis longtemps, il est sorti depuis il est passé dans Obama, il est arrivé dans depuis 2010. Voilà. Et nous sommes censés capables de dire que nous parlons trop bien avec hégémonie et Clinton dans le pays. Est-ce que Kamala Harris va continuer? Bon, si je pourrais mal d'arriver et non, parce que lui-même poussé, on est dit à Donald Trump investit propre l'argent dans la campagne, parce que pour laisser faire équilibre là, tellement Kamala Harris a battu 380 millions de dollars. Et pour même atteindre double là, il est obligé d'investir lui-même, il y a une forte somme pour lui faire moitié, ça que Kamala a gagné en termes de revenus pour le capable d'organiser. Et campagne li. Et donc on est dans tous les pays du monde, l'argent li gon poids dans question faire élection. Maintenant, on nous étudier la présence de Kamala Harris par rapport à la négritude. Obama c'était un homme à peau noire, c'était un blanc de conception, à peau noire. De conception, de c'est mentalité. Un blanc à peau noire parce qu'il a été élevé dans un milieu strictement blanc. Donc, il y a des réactions de blanc. Mais c'était un blanc à peau noire. Aujourd'hui, nous avons noir. Totalement noir. Miguel, selon la dernière information, vous semblez dirigeant haïtien pour aller dans l'investiture. Quelle est la décision pas qu'un bé définitivement? Oui. N'a dit tout simplement que. Ouais, on a Kamala. Kamala Harris, c'est un Jamaïcain et un Indien. C'est deux minorités. Qui différent de Obama. Totalement. Kamala Harris élevé dans un milieu de difficultés. Qui était une famille maman qui était. Et Obama était une famille maman qui était sous bateau, qui était sorti sur un île, là où je ne sais pas, mais ce n'est pas le canon pour Kamala. Du tout. Kamala, c'est. Jamaïcain. Mais qui a fait un établissement là quand même. Non. Elle s'est imposée. Elle s'est imposée. Ça veut dire que c'est mon cadeau, Yofel. Kamala Harris. Son grand premier. Oui. Écoutez, pas oublier, tu n'as qu'à regarder la ligne de côté Kamala Harris sorti. Il a été le procureur de. Pico Espadeux, Los Angeles et de Californie. On dit procureur de Californie. Bah. Alors, ensuite, elle a été. Alors là, on procureur qui est en face, ils ont. Je ne suis pas capable de dire qu'ils ont corrompu, non, mais quand même, ils ont mal à partir avec la justice. Et la battue pour la question. Ça. Et c'est la raison pour laquelle que Trump. Parce que Trump a 34 accusations. Et sous Dolly. Donc, on a fini de dire de Kamala. Kamala, une position, elle a été procureure de Californie, elle a été sénateur, malgré qu'elle est sortie. Donc, elle s'est imposée. Même on a besoin en Haïti. Elle s'est imposée. Si bien que, l'été candidat à la présidence, Biden prenne comme. Premier ministre, pas Premier ministre, pardon, comme vice-président, comme vice-président. Elle a eu à diriger les États-Unis en deux fois pendant que Biden l'hôpital. Je dis, le phénomène Kamala Harris, c'est un phénomène hautement psychologique et hautement spirituel. Donc, les Noirs ont commencé à pas avancer. C'est un tap d'où tout à l'heure. Mais on commet ça prend. Mais je dis, avec Obama, nous avons une représentation noire. Avec Kamala Harris. Miguel, ce n'est pas l'autorité qui a déplacé Kalé, non, mais c'est chargé d'affaires haïtien qui tout là-bas qui a assisté à investir. Oui, avancez. Oui. Donc,
Donc la présence de Kamala Harris montrait que effectivement le noir commençait à prendre pouvoir aux États-Unis. Ce n'est plus un noir blanc. Commencer à réaliser tout bon. Maintenant, I have it with him. Maintenant, la vérité et Haïti dans tout ça. C'est certain que pour les États-Unis, correct, Kamala Harris, c'est l'espoir. Kamala Harris, c'est l'espoir. Il n'y a pas de problème. Qui possibilité au Bali? Et parce qu'il y a une possibilité là, après le 5, là, il va prononcer sentence. Et moi, pourquoi même là, je m'en suis l'élection déjà joué. Parce qu'il y a une forte possibilité pour condamner, tiens, à la veille des élections. Et pour y arriver jeudi, c'est. Surtout c'est, avec c'est... la chute de Trump. De Trump. Ça dit que, ouais, si Trump, c'était Biden qui était là, et que Trump était possibilité pour devenir président, la justice américaine aurait réagi autrement. Mais je dis, en fait, Trump président encore, il commence à disparaître dans l'horizon. Oui, ça a dissipé. Et au cas, comme on est tout carrément éliminé, il est fini. Les possibilités sont très en pile. Ni en pile. Mais avec ou sans une sanction judiciaire, les États-Unis vont voter Kamala Harris en novembre prochain. T'as l'issue de ça. Maintenant, la question la plus importante, bien que nous ayons 1 million haïtiens aux États-Unis, ça veut dire que presque 10% de la population haïtienne, de 12 millions, nous ayons 1 million aux États-Unis, presque 10%. Ouais. Je suis accent haïtien. Ça, 10. Ça, c'est avec les galions. Oui, c'est avec les galions. Ça veut dire que nous avons 10% de la population haïtienne aux États-Unis. Maintenant, quelle est la position d'Haïti dans l'arrivée de Kamala Harris au pouvoir aux États-Unis? Question, ça n'a pas quitté le pont pour la prochaine émission. Alors, n'a simplement rappelé que tu sais que porte-parole Maison Blanche, c'est une haïtienne. On nous conclut avec la question. Karine, on nous conclut avec la question de fois là, par rapport avec la situation est là, qui doit décision au cas où il va répondre avec appel de détresse qui connu ce fait là auprès de la communauté internationale là. Et si on va répondre, qui t'a donné décision? Koni pas qu'à démissionner. Parce qu'il va mettre tête. Ou du moins, parce qu'il va gagner démissionner. Il n'est pas le patron de. Il n'est pas son patron. Koni pas qu'à démissionner. Et que de monde koni pas là avec eux, c'est parce qu'il va recevoir l'autre pour le parler. Est-ce que c'est l'autre pour le bailler l'élection qui va l'organiser? Ou dis-moi, c'est ça. Et c'est pourquoi je te dis que il nous faut, nous autres, barrer la route à l'arrivée de PHTK. Joachim, Haïti pourquoi prêt pour le grand monde tête? Non, selon ça, député Bobo Abdila, parce que Koni Kap dirige le pouvoir là, il n'y a pas mettre tête là. Et c'est dicté la prend. Et selon ça, il se dit là, dans le dernier fois, il s'était fait aux États-Unis, à qui côté vient chercher pour le mener le bail patron Matéli. Et nous connaissons la position Matéli lui-même. C'est 50 ans. Combien de temps il y a là? Disons, il a dérapé en 2011. Il y a 10 ans. On nous dit 10 ans. Parce que. Vous avez 13 ans plutôt? 13 ans? Oui, vous avez 13 ans. Dans 50 ans, il y a été 37. Hey! Mes amis, vous posez une question. Oui, qui t'a deux positions haïtiennes par rapport avec le phénomène Kamarara? Je pense que vous ne pouvez pas prendre longtemps pour tourner. Pour nous capables de venir répondre à une question ça, parce que l'élection a avancé et il faut nous faire zoom sur la question ça. Voilà, madame, monsieur, c'est là, nous mettons bout dans l'émission pour là, qui c'est l'émission Café au lait. Mes amis, excusez-nous, en pile, mon ami live là, tu as réagi, mais nous ne pouvons pas prendre toute réaction, yo, parce que yo te légion, nous comprenons ça, et d'une façon spéciale, nous avons salué et Jean-Christel Dessime. Et y a un groupe portoricain qui a goumé et qui prend des positions fermes par rapport à ça qui a passé. Je pense que matin, s'il a une chance pour le parler, il a dans pile ensemble avec le député Bobouin. Arrangez-vous, mettre des sims pour venir dans l'émission pour là, pour continuer à venir, eh bien, éclairer l'antenne population. Voilà,
C'est là nous mettons en bout, nous connaissons l'équipe, ça son équipe solide, qui est composée de Dr. Yves Boissonnier, Wensley Louis, Yves Nakola, moi-même Zami Paula, Kevin Sipolite, sans nous pas oublier, Zami, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, youtubeurs et Facebook et nous, qui toujours vraiment fait émission ça, et bien ça lié à, malgré les difficultés qui gagnent, confronté dans les derniers temps, ça, yo mette restrictions. Yo pas ouvri porte là-bas nous parce que m'pense si yo t'ai ouvri peut-être jounen jodi a nous t'ai capable émission numéro 1 dans pays a mais ça n'a dit yo pas fait nous faire trop bien parce que yo dit avec cœur avec sincérité à toute impartialité parce que nous pas au côté de camper et même inviter nous c'est des invités que nous et qui très sélectionné qui pour venir répondre là et pas moi qui une faire affaire monde mais c'est monde qui souhaitait au pays a changer en exemple député Bobo lui-même qui, malgré l'en douce, mais c'est sans intérêt qu'elle fait ça. Et député Bobo, je remercie le fait que maintenant vous êtes disponible pour être capable. Mais c'est avec plaisir que moi, je toujours été disponible. Et la promotion de type d'émission, ça y est, c'est des promotions qui sont faites pas à pas. Nous pas besoin de presser, nous avons privé de jouer une solution quand même. Mm-hmm. Merci tout le monde. Ma pensée qu'elle vient déjà là. Et nous avons cassé un de voir lundi, si papa bon déposé la vie, papa gagne Jorgen le matin. Mais nous espérons lundi, toute bagaille a rentré dans l'autre. Encore une fois, député Bobo, merci et bon week-end.